Valdine. I'm happy to be here today as your birthday. I'm very happy because I have a present for you. It's your first English virtual lesson with me. Yes, you have to learn to English. How are you, Geraldine? What? Vous voulez faire appel au public pour répondre à la question? Bah, c'est pas dur. Bon, on va passer à une autre question. Attention. Je vous avais envoyé un petit carnet d'exercices. J'espère que vous les avez bien fait. Geraldine? Where is Brian? What? Vous voulez faire le 50-50? Non mais, on n'est pas dans l'émission de télé là. Là, on apprend l'anglais. C'est sérieux. It's very serious. Other question? What is this? What is this? What? Vous voulez appeler votre sœur? Geraldine, votre sœur n'est pas un dictionnaire anglais. Je sais qu'elle connaît beaucoup de mots. En anglais, je l'ai eu comme élève et c'était tout autre chose que vous, n'est-ce pas? Oui, alors on ne peut pas toujours compter sur sa sœur. Il va vraiment falloir apprendre votre vocabulaire. On m'avait prévenu, je le savais. Je savais qu'il allait falloir passer à une correction un peu plus sévère avec vous. Et on m'avait bien dit que la doudou, elle s'en fout. Oui, ça, on m'avait bien prévenu. Je ne veux pas le voir. Des doudous partout, c'est fou, celle de ma chanson, elle a les yeux vraiment doux. On dirait des cailloux, des perles, aussi noirs que sa peau cachot. Elle travaille dans un magasin, elle vend des maillots de bain. Elle est belle et elle est boudin, elle est moche et elle est bien. Elle est vieille qu'on a peau qui craint, des jeunes qu'en prennent bien soin. Allez, tu sais, là, les putains, et toute la journée, il faut se les fader dans son petit magasin. Le soleil n'entre jamais, mais c'est très bien, la doudou, elle s'en fout, au mois d'août, elle met les bouts. Doudou dit bonjour toujours aux dames, aux demoiselles qui viennent acheter chez elle. Des bikinis pourris très chers à fleurs ou à rayures panthères. Elle est polie avec les belles-mères qui mériteraient des beignes. Et gentille avec les belles-mères, elle connaît pas la mienne.
La nounou fait sentir avant qu'elle supporte mes pauvres têtes. Les plus fiers de la conso, tu crois comme des bêtes que la beauté s'achète dans son petit magasin. L'amour rentre jamais, mais ça fait rien. La nounou, elle s'en fout. Au mois d'août, elle est où? Tu vas pas t'en foutre longtemps, Geraldine. C'est moi qui te le dis. Il va falloir sévèrement travailler. Nous allons essayer autre chose. Peut-être qu'avec une chanson que vous appréciez, ça pourrait marcher, n'est-ce pas? Alors, je vais mettre la chanson, hein. Alors, attention, ça déménage. Appuyez. Peut-être que vous allez enfin accrocher avec l'onglet, n'est-ce pas? Attention, c'est parti. J'ai donné de ma personne. Je crois que... J'espère que vous allez réussir le test. Après ça... Oula. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh my God. Alors... Vous allez me traduire le premier couplet de cette chanson que vous affectionnez particulièrement. Reprends-toi, reprends-toi. Non, vous n'arrivez pas à traduire. Bon, écoutez bien, je vais traduire pour vous. Charge tes flingues et amène tes amis. C'est marrant de perdre et de faire semblant. Elle se fait chier et a confiance en elle. Oh non, je connais un gros mot. Bon. Je crois qu'on va en rester là pour la traduction de cette chanson. Je l'ai toujours dit. Rien ne vaut l'anglais, parce que alors là, la traduction française... Bon. Je crois que ce sera tout pour cette leçon. N'est-ce pas? Parce que là, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne suis pas certaine de vous faire une deuxième leçon d'anglais. Et je comprends que votre sœur n'en pouvait plus et vous ajoutez un dictionnaire d'anglais à la fin.
fatiguée. Bah. En attendant. Happy birthday to Caroline. Happy birthday to you. At your welcome. Happy birthday to you. At your welcome. Happy birthday to you. À vivre l'anglais.